Le v'là. Bonjour messieurs. Il est la clé de voûte de l'édifice humanitaire. Il est cette année l'un des rares prétendants au prix Nobel de la paix. Toutes les victimes de la bêtise humaine ont ressenti le même sentiment de réconfort et de générosité auprès de lui et de ses collaborateurs. Nous avons tous encore à l'esprit la réussite des opérations de sauvetage qu'ils viennent de mener au Nigeria. Vous l'avez tous certainement reconnu. Nous avons le grand plaisir d'accueillir sur le plateau d'invité spécial Benoît Delafosse qui nous rejoindra immédiatement après la pause publicitaire. Bonne chance. Faut que j'y aille. Passe-moi le ballon. C'est toi Benjamin? Ouais. C'est qu'il est chouette ton ballon. Mais tu sais que c'est dangereux de jouer par ici, il y a la route qui est pas loin. Cette fois le monsieur que j'ai vu à la télé. Ouais peut-être. Et qu'est-ce que tu fais maintenant? Là, je me souviens. Ça te dirait que je te ramène? Oh ouais, trop cool. Je fais la gauche, je vais me faire rallumer par ma mère. Ouais, t'as la cassette d'une pistola? Ouais, on peut l'écouter si tu veux. Ouais. Ça te dérange pas là? Faudrait que j'aille chez moi récupérer un dossier. Ok, mais fais vite. Ouais, allez, attache-toi. Je suis l'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur. Caroline. Dis-moi Benjamin, tu veux des gâteaux, un coca? Non, non, il y a ma mère qui m'attend. Ok. Bon, bah, je vais chercher mon dossier dans le bureau. Calme-toi, c'est bientôt fini. Calme-toi. Spécial, où nous accueillons ce soir celui que les enfants du malheur appellent tous le grand frère. J'ai le plaisir de recevoir ce soir Benoît Delafosse.